devant chez moi, je passe ici, par ici tous les jours. Hein, et je voyais cette mini montagne d'ordures qui grandissait. Alors j'ai dit au gars que bon, étant une compagnie d'ingénierie environnementale, que on va faire descendre nos machines ici, on va les adapter un peu pour qu'elles soient un peu mobiles. Et on va les faire descendre ici et on va traiter ce parking. On a un convoyeur là-bas pour faire le tri des sacs. On est en train de trier les matières non organiques des matières organiques. Les matières organiques, on est en train de les placer dans le composteur là-bas. C'est une machine très ancienne que j'avais faite pour ma graduation en 93. Donc, on fait le compost là-bas, tout ce qui est matière organique, déchets d'aliments, papier, Kleenex et tout. Et tout ce qui est carton, on est en train de le comprimer. On a un compresseur hydraulique là-bas. Et cette même machine, on est en train de comprimer les bouteilles d'eau en plastique PET. Donc c'est une machine pour faire les deux matériaux. Et puis il y a la broyeuse là-bas. Celle-là, on est en train de broyer tout ce qui est plastique non recyclable par les industries classiques du recyclage. Et Cedar Environmental a un brevet d'invention pour traiter ce genre-là pour en faire des panneaux. Et ça s'appelle EcoBoard. Et voilà. C'est des sacs en plastique transformés et recyclés en panneaux. C'est ça. Maintenant, le polystyrène ici, on va contacter l'usine. Ils vont nous envoyer une vanette pour transporter tout ce polystyrène-là. Ils vont le recycler. On est chanceux au Liban qu'on a une usine qui pourrait faire ça. Même les bouteilles PET, on a aussi une usine qui peut le recycler dans l'AVECA. On a 4 entreprises de recyclage de carton au Liban. 4. Et ils veulent les incinérer avec les ordures. Go figure. Ce n'est pas une solution à long terme, c'est une solution mobile. Je voulais seulement prouver le point que, premièrement, notre ordure, ce n'est pas des déchets nucléaires. Hein. C'est très facile. On n'a qu'à les trier et on peut les redistribuer dans l'économie locale. On a toute l'infrastructure nécessaire pour refabriquer. Le recyclage, c'est la réfabrication de ces matériaux-là en de nouveaux produits verts. On est complètement contre tout ce qui est incinération, tout ce qui est dépotoir, enfouissement et même brûler à l'air libre comme ça, comme je ne veux pas dire des cons, mais comme des cons.